Coucou tout le monde, c'est Antique et aujourd'hui, nouvel épisode sur The Last of Us, donc c'est l'épisode 3. Donc là, ouais, sur The Last of Us, comme je vous avez sûrement dû voir le premier et deuxième épisode, de toute façon, je mettrai le lien des deux premiers épisodes, dans la description. Donc là, un peu pour résumer l'histoire, c'est par là. Je sais pas où je suis, je me rappelle plus du tout où je suis. Je dois suivre cette personne qui est devant moi. Enfin, je crois, je pense. Voilà. Cette vidéo durera un peu comme les autres dans les 10 minutes et quoi, je pense. Et voilà, donc j'espère franchement que vous aimez cette série. Je sais pas trop ce que je fais là par contre. Si tu montes ou je monte. Voilà. Ouais, je sais pas vraiment que vous aimez cette série. Je pense qu'elle me tient ça à cœur, hein. vous savez plutôt que j'aime bien ce jeu. C'est pour ça que je vous fais un peu partager. Dans une petite idée. Un petit truc. Voilà. Ouais, j'espère vraiment. Mais n'oubliez pas pour enfin, mettre un petit like si vous aimez pour que ça me donne encore plus envie d'en faire. Parce que voilà. C'est toujours plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Bordel de merde, ce sont les lucioles. Pour les lucioles? Alors, qui leur reste? Pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide? Deux terroristes. Voilà. En gros, c'est ça. Bref. Pourquoi maintenant? On s'est fait discret. On pensait quitter la ville, mais il faut des boucs émissaires. Ils ont voulu nous pousser à bout. On dirait qu'ils l'ont fait. On essaie simplement de se défendre. Bref. Donc, ouais, j'essaie de parler à cette fois, mais si c'est pas trop. Si c'est pas trop le truc, parce que là faut savoir que c'est la perte du brevet et donc je suis pas trop censé jouer, c'est pas grave. Faut pas trop que ma chaîne reste inactive parce que c'est vrai que c'est chiant pour vous. Bref, on va essayer d'ouvrir ça. Ouais, ok. J'espère que vous m'entendez parce que c'est vrai que dans le jeu, pas trop bien. J'espère que ce sera mieux que la dernière fois. J'ai un peu l'air d'un con quand je parle qu'il y a un combat. Voilà, de toute façon je parle tout seul, mais bon. C'est pas trop grave, ok, là il y a du monde. Stop, des soldats. Ouais. C'est la sortie, la porte sous le pont. Je suis pas très fan de ces trucs. On peut se faufiler dehors, même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. Bref. Donc, ouais, donc là, je pense qu'il y a des ennemis un peu plus loin. On doit atteindre cette porte. Ouais, il y a des ennemis, je connais comme ça. Je sais pas trop où on est, je vous le dis, je m'en rappelle plus du tout. je découvre un peu avec vous. Ouais, comme d'hab, les décors, hein, toujours aussi bien fait. L'eau, la texture de l'eau, tout ça. Par contre, j'allais. Ok, j'allais là. Ils sont tous planqués, t'as tué quoi, tu sais. Ok, donc si on y va d'ici, il y a quelqu'un là, j'ai même pas vu. Je pense que là, faites le tour pour l'autre. Bon, on va essayer d'aller un peu en mode discrétion, même si c'est pas trop mon truc. J'espère vraiment qu'un chemin on va pas bouger. Ok, je vais l'attaquer. Étrangler. Ça c'est fait, ma copine, on est détruit dessus, passage tranquille. Pas de bruit, ok. C'est quoi ça? C'est une mission. Putain, là, la plaie fait un petit peu plus de bruit. J'espère que ça s'entendra pas et que ça fait plus ma voix que la plaie. Ils sont en chiant. En plus, j'ai pas le droit de. Je peux pas refaire le let's play, enfin, refaire une mission parce que sinon, il y aura pas l'effet de découverte, tout ça. Je connaîtrai. Le truc et je pense que ce sera pas intéressant pour, même pour vous et pour moi. Ouais, je mettrai j'espère vraiment que ça marchera. Ok, donc on va faire ça. Ouais, ça c'est un peu le sens, si vous savez pas, en restant appuyé sur R2 on a cette espèce de sens juste pour enfin truc de Louis quoi, enfin on entend ce qu'en font les gens. Ça c'est original. Non, je l'ai pas vu. Ok, ils sont un petit peu aveugles.
Donc, attendez. Ok, lui il est de dos. Donc, on va avoir lui. Voilà. Étrier. Je ne pense pas qu'il y a. Après, oui, il y a la sœur. Ok, attendez, je vais baisser le son de la putain du jeu. J'espère que vous avez un écho. Bref. Donc voilà. Je sais pas trop où on est là. C'est de parler à un tas. Je crois, je suis pas sûr. Comment on fait déjà pour recharger? Je crois que c'est R1, ouais, R1 je crois, sans viser. Bref, je sais pas où il faut aller. Ah bah, pardon. Je crois. Je pense. Je suis pas sûr. Ok, ça. On va, Marlène. Par ici. On n'est plus très loin. Quand on va courir, je pense que je dois être assez. C'est calme. Plus pour longtemps. Putain, mais vraiment, ça va. Là, aller. Je vois sur Audacity que ma voix apparaît pas trop fort. J'espère franchement que quand je fais le montage, ça passera fort. On est presque arrivé. Faut vraiment te dégoûter sinon. Attention, le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. Je compte faire une vidéo présentation du multijoueur de ce jeu. Attention, donc, voilà, je pense que ça arrivera ce week-end. Je sais pas trop quand est-ce que vous aurez la vidéo. Sachant que là, je vais mettre l'épisode 2 juste après que je finisse celui-là. Je crois que je vous promets rien, d'en mettre un par jour. Mais ça va être assez chaud, en tout cas dans la soirée, donc on a le matin, à part si vous restez jusqu'à 4h du matin. Joël, donne-moi un coup de main. Excuse-moi. Ah, cinématique, je me tais, désolé. Oh. Attends un peu, relève-toi. T'approches pas d'elle. Lâche-la. Dis donc, tu les recrutes pas un peu jeune? C'est pas une luciole. Merde! Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Et ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste. Ellie, c'est notre seule chance. Et. C'est elle qu'on fait sortir? Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vues. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes et je pourrai me faire soigner. N'est pas question qu'elles traversent ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense pas que ce soit une bonne idée. Avec lui. Je les connais d'où? J'étais amie avec son frère Tony. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. T'as qu'à l'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joël. Marlène... Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez.
Ok, on est où? Ok, on est dehors. Alors, elle, alors cette fille. Bon, j'ai vu. Je vous avoue que j'ai déjà vu bon, les toutes premières bandes annonces. Hein, il n'y avait pas de gameplay, mais en tout cas, elle, je sais que. J'ai entendu les tirs. C'est la fille qui sera plus tard, qui sera avec nous. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est sûr d'ailleurs. Il va nous arriver la même chose. Mais, ouais. Donc là, faut qu'on se casse de la ville, c'est ça. Putain, on va un peu regarder les décors, c'est vraiment bien fait. Ouais, en fait, non. Il n'y a pas des petits secrets à l'Uncharted là. Hein? Genre, tu sais, vous savez, les petits trésors qu'il y a dans l'Uncharted. Pour ceux qui avaient le jeu, il y avait des petits trésors, des moments cachés dans des coins. C'était assez sympa. Je sais plus trop ce qu'on avait quand on les avait tous trouvés. Je crois qu'on avait un trophée. C'est par là. Par ici. Il n'y a pas d'endroit où ça fait peur là pour l'instant. Pour l'épisode. Il y a les deux. Je suis d'avant là où ça faisait un tout petit peu peur. Mais là, c'est vrai que. Bof, hein, quand même. On va pas se le cacher. Ça, c'est un temps. C'est une vite. J'ai plus de balles ou quoi là? Une balle, j'ai l'impression d'avoir. J'espère que c'est pas le cas. Là-haut. On pourra atteindre le tunnel nord. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut? On va où là? On va où là? Ok, j'en fais ça. Et après, ouais. Ok, on l'emmène où? Ah, je sais où on va l'emmener. Là. Putain, il est fort pour soulever une poubelle comme ça. Voilà, ça. Ça, et voilà. Et voilà. C'est qui le papa? Oui. Des trucs. Parfois. Non, c'est une première. Il se passe quoi entre toi et Marlène au juste? J'en sais rien. Je suppose qu'on est amis. Amis? Alors comme ça, t'es ami avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans? Je connaissais ma mère et elle avait vu sur moi. Et j'ai 14 ans, même si je vois pas trop le rapport. Et tes parents, ils sont où? C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça? Je peux pas te dire pourquoi je... Tu sais ce que je préfère dans mon boulot? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. Ok. C'est ici. Qu'est-ce que tu fais? Je tue le temps. Et je suis censé faire quoi, moi? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. En dormant. J'ai horreur des cauchemars. Ouais, moi aussi. Tu sais, j'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Il fait tellement noir. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste? Hé, hey, désolée d'avoir été si longue. Il y avait des soldats partout. Comment va Marlène? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt? Ouais. Allons-y.
Bon. Alors là, en fait, je pense qu'on va se laisser. Je suis désolé, c'est un épisode assez court. Et là, en sachant qu'on est lundi soir, je peux pas me permettre de refaire un truc plus long. Parce que voilà, j'ai pas le droit de jouer longtemps là. C'est surtout pour faire sa petite vidéo. Donc voilà, ça dure 15 minutes. Bon, c'est déjà bien. Faut pas se leurrer, mais c'est vrai que je peux pas faire plus. Je suis désolé. Je m'en rattraperai pour mercredi, pour l'épisode 5 normalement. 5 ou 4. Ouais, je m'en rattraperai dessus. Je suis désolé encore une fois. En tout cas, c'est antique. N'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez beaucoup cette série. Je vous dis à la prochaine. Ciao.